Ça fait au moins 30 ans que je pilote des sous-marins. J'ai perdu ma famille à cause de ce boulot. Vous êtes licencié. Tout l'équipage. C'est pas une fatalité, cette vie de chiotte. Je connais un moyen de se ramasser un tas de blé. J'ai pas les compétences. Toi, tu les as, Robinson. Faut quelqu'un de ton calibre. L'an dernier, je suis allé en mission avec eux sur la mer Noire. Et on a découvert un truc. Pendant ce temps, le sous-marin des nazis gît au fond de la mer avec sa cargaison d'or. J'ai besoin d'un équipage à 50% composé de Russes. Reynolds, Peters, Tobin. Mais c'est un gamin. Fraser. C'est un psychopathe. Mais ce gars-là, c'est un plongeur hors pair. De combien d'or tu parles ? 40 millions de dollars. On divisera en parts égales. Tu fais quoi avec ça ? Je cherche les vitres. Tu verras aucune vitre. Et ton balai, c'est pourquoi ? Il n'y a pas de cheminée non plus. Non, il n'y a pas de cheminée non plus. Boss, on est prêt. Fermeture ! C'est carrément pas normal qu'ils aient la même chose que nous. Ta petite amie est enceinte. T'inquiète pas, fiston. Tu seras riche quand tu vas rentrer chez toi. Quand t'es dehors, il fait noir, comme la mort, et tu te cailles. Il va se passer quoi quand l'un d'entre eux va réaliser qu'il peut se faire trois fois plus d'argent? Si des membres d'équipage venaient à disparaître. 5. 4. 3. 2. Robinson! On voudrait juste sauver notre peau. On voudrait juste vivre. On va tous les éliminer, un par un.